Yo les gars, j'espère que tout le monde va bien. Vidéo un petit peu différente aujourd'hui. J'espère que de votre côté, euh, vous n'allez pas trouver ça bizarre parce que je vais parler tout simplement argent et revenus euh, que me rapportent euh, bah, les différents réseaux, euh, tout ce qui est lié à Dofus en tout cas. Donc là, on va, on va se baser sur mon mois d'avril et je vais vous raconter euh, bah, voilà combien j'ai généré sur le mois d'avril grâce à Dofus Touch. Euh, je vais pas m'étendre sur tous les revenus que j'ai fait euh, bah, IRL, même par rapport à, 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 mes autres, à mes autres réseaux et quand je live d'autres jeux, etc. Euh, là on va juste se focaliser sur ce que Dofus Slash Dofus Touch Slash Dofus Retro Enfin en fonction de ce que je fais Me rapporte Donc là c'était Dofus Touch pour le mois, euh, mois d'avril Mais je vais essayer de faire ça tous les mois Parce que j'en ai parlé un petit peu sur Twitch Et les gens aiment bien quand même qu'il bah, qui ait de l'honnêteté par rapport à ça Et surtout que ça peut aussi motiver d'autres personnes à se lancer Parce que bah, étonnamment on peut quand même générer de l'argent avec Dofus Même si c'est pas la plus grande communauté On est sur une communauté assez niche Mais euh, les, les, les revenus ont quand même bien monté Les RPM ont bien monté sur Youtube Et même avec 30 000 abonnés tu peux générer bien plus d'un SMIC qu'un SMIC euh, et c'est assez intéressant, donc je vais m'attarder vraiment sur ces revenus-là, comme je vous dis... Euh c'est pas mon, mon activité principale j'ai mais on est sur un très bon complément de salaire de manière générale vous allez euh, vous allez vite comprendre donc du coup euh, bah voilà m'a un petit peu lancé ce, ce débat moi je l'ai toujours fait sur Twitch et j'en ai toujours parlé très honnêtement de mes revenus j'ai jamais rien caché à personne même sur une op euh, même les fois où j'ai pas été payé par les op euh, typiquement j'ai fait une op Racha de légende euh, euh, j'ai fait une op euh, Genshin Impact mais j'ai dit que le jeu était un peu trop Gacha un peu trop machin que je trouvais ça un peu chelou ils m'ont pas payé j'ai fait pas mal de trucs globalement dans les op surtout sur Twitch. On va, on va rentrer dans les détails sur twitch après mais euh, voilà dans un premier temps on va parler donc de youtube euh, je vous le dis les gars on va parler d'argent sans tabou sans truc c'est pas le but de flex j'en ai rien à foutre de flex c'est pas des sommes de fou on parle vraiment de sommes euh Atteignable par tout le monde, je ne suis pas une star, je suis personne, je suis un streamer Twitch, mais à la base je suis un joueur, donc il euh, n'y a absolument rien et j'aime bien parler d'argent sans tabou, comme je le dis pour moi, ça ne me choque pas, euh, même quand quelqu'un me dit bah, je gagne tant, machin et tout, bah, ça me choque pas en fait, il devrait pas avoir ce tabou là et on, bon, on s'en branle un peu de base, euh, chacun peut dire combien il gagne, voilà. donc, tant que c'est pas pour flex ou pour faire l'ancien mode ouais, je gagne 40k par mois et le mec il se la pète, il le prend de haut, on s'en fout. Euh, dans mon cas, moi, mon but c'est juste de vous partager combien ça peut me générer d'offus parce que ça peut intéresser des gens. Donc si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à partir. Euh, directement là on va rentrer dans les détails la monétisation comment ça fonctionne etc donc moi de mon côté j'ai les revenus youtube donc c'est juste les pubs je fais pas de des op mais je pourrais en faire mais je fais pas d'OP sur YouTube mais on peut quand même en faire avec des 10-15 000 vues euh, c'est très bien payé d'ailleurs euh, les revenus Twitch également donc euh, pub plus sub plus op donc j'en fais quand même sur Twitch des OP environ je dirais une, une ou une ou deux par mois ça dépend des mois et les revenus sur kick parce que je live également sur kick là pour le moment j'ai que les subs mais là je viens d'être accepté sur le super partenariat kick j'en parlerai plus tard mais en gros à partir d'aujourd'hui je serai Payé à l'heure euh, pour live du Dofus sur Kick, ça veut dire que je serais payé entre 10 et 15 euros de l'heure euh, grâce au super partenariat. Mais euh, je n'ai pas le droit de faire des live Kick et Twitch en même temps. Mais je reviendrai sur ça plus tard. On va parler donc de YouTube dans un premier temps. La chaîne YouTube, du coup, j'ai une chaîne YouTube qui était un peu morte et que j'ai relancée il y a 2-3 mois avec Dofus Touch. Euh, elle m'a fait un mois qui est pas dégueu, alors que le rush n'est pas spécialement bien passé parce qu'il y a eu le ban, donc j'ai pas pu spammer les vidéos comme je le voulais pendant tout le mois d'avril. Elle aurait pu me rapporter approximativement le double, mais à l'heure je suis à 872 euros sur la chaîne youtube euh, 872 donc euros euh, merde je suis malade euh, j'ai clavier QWERTY là ouais okay. excusez moi <laughs> 800 j'étais en QWERTY 872 donc euros euh, alors la chaîne youtube je vais rentrer un petit peu dans les détails j'ai fait 248 000 vues donc je fais 872 euros pour euh, 248 000 vues ce qui est vraiment euh, pas dégueu du tout. Il y a 5 ans, j'aurais fait approximativement 300 euros pour ce nombre de vues là, donc on a, ça a plus que doublé. Et euh, c'est aussi pour ça un petit peu que je suis revenu. Voilà, si on, si on regarde un petit peu bah, la période où j'étais actif, euh, je tapais des 60 euros, 40, 50 euros par jour. Euh, sur YouTube et c'est très intéressant, malheureusement bah, après j'ai arrêté les vidéos euh, quand je me suis fait ban et là euh, j'ai moins la motivation de faire des vidéos parce que euh, même si je joue toujours bah, le ban ça m'a quand même un petit peu démotivé, je vais être honnête avec vous mais de manière générale, ouais je, je montais bien, là c'était même les vidéos du ban qu'on qu rapportait un peu et j'étais sur du ouais, 40, 50, 60 euros par jour euh, ce qui est vraiment pas mal pour une chaîne YouTube qui vient de reprendre, qui a pas spécialement beaucoup de vues il hein. faut savoir que bah, je fais du 10 000 vues par vidéo, pas plus euh, on peut regarder un petit peu par exemple directement les vidéos euh, qui ont pu me rapporter on va mettre Feka et je vais vous montrer directement ça marche donc euh, donc là sur euh, ma chaîne youtube donc on va dire les vidéos euh, par exemple celles qui parlent de mon bandef on va prendre la première 15000 vues rebandef mj explication euh, du tricheur donc euh, données analytique on peut voir qu'avec 15000 vues là dans une vidéo comme ça où il y ya une grosse rétention ça veut dire que les gens ont beaucoup regardé la vidéo jusqu'au bout limite donc euh, on peut voir qu'il y a eu deux cas euh, d'heures de vue juste sur cette vidéo là au total je génère 62 euros pour 15000 vues donc là on est sur un très très bon cpm hein. Euh, on est sur du, est du 4 euros les 1000 vues, approximativement, ce qui est vraiment pas mal pour le coup. Euh, encore une fois, ma chaîne YouTube ne génère pas spécialement beaucoup de vues, et je peux m'en tirer avec des 60 balles par vidéo, euh, ok, sur les grosses vidéos qu'il faut un petit peu parler, certes, mais euh, même sur d'autres vidéos, les vidéos qui parlent du rush, si on regarde un petit peu... Euh euh, je sais pas par exemple euh, voilà jour 1 12 000 vues euh, top de ladder level 116 données analytique on peut taper euh, voilà 44 euros pour 12 000 vues c'est relativement incroyable aussi les gars c'est des vidéos qui prennent pas spécialement beaucoup de temps à faire c'est un petit résumé d'une dizaine de minutes y a pas de montage donc franchement on va dire que pour le pour le temps que je passe dessus alors bien évidemment il y a le temps en amont où je joue à Dofus, mais pour le temps juste de record et de poste de, 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 de vidéo on est quand même sur euh, bah, c'est pas dégueu tu vois ça je pense que peut-être que ça peut aussi motiver des gens à se lancer là-dedans parce que bah, tu peux taper facilement des 2 3 4000 vues sur Dofus et ça te fait toujours un petit peu un petit truc quoi un petit, un petit revenu un petit revenu en plus et honnêtement bah, je suis quand même content 872 euros sur le mois d'avril alors que ça s'est mal passé on va dire sur la, sur, la, sur, sur la suite du mois bon là voilà je tape moins de 10 balles par jour maintenant parce que je poste plus de vidéos quasiment mais euh, honnêtement sur un mois qui aurait duré et qui serait bien passé j'aurais tapé 1600 1700 juste avec youtube sans spécialement euh, faire trop 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 de travail tu vois et, euh... et de manière générale, je suis quand même content de la chaîne YouTube, de ce qu'elle a pu m'apporter. Voilà, on, euh... on va dire que les revenus euh, bah, financent un petit peu le rush. Euh, financent un petit peu... Enfin les revenus du YouTube ont financé un petit peu tout ce qui est tablette, etc. Et... Et franchement c'est un bon un bon un bon supplément un, un bon salaire un bon petit salaire en plus alors euh, faut savoir que je donne 22% à l'État juste ça donc euh, voilà donc ça fait un petit peu moins d'argent mais dans tous les cas il me reste environ 650 euros là-dessus donc parlons maintenant des revenus Twitch c'est pareil hein, pour Twitch malheureusement je n'ai pas pu live autant que je le voulais mais je vais, que je le voulais mais je vais rentrer un petit peu dans les détails euh, de ces revenus là, de ce que j'aurais pu gagner si j'avais live autant, parce que malheureusement avec les ban bah regardez, hein, au début j'ai quand même un peu un peu joué, charbonné machin et tout, et là bah, je me suis quand même euh, voilà, j'ai joué que deux semaines en soit les gars même pas une semaine et demie, donc sur une semaine et demie j'ai tapé 778 euros, donc euh, plus euh, 778 euros, wow, dollars mais bon on va dire que c'est pareil je suis pas... Euh, on n'est pas à quelques euros près pour ces calculs-là, on va dire, en 76 heures de stream. Donc, euh, logiquement, j'aurais dû faire le double. Euh, voilà, donc euh, Twitch, ça fonctionne comment je vais J'ai eu 250 subs euh, en, en 76 heures de live. Donc, en... Euh, réparti sur ces différents euh, sur ces différents lives. Euh, à côté de ça, j'ai quand même gagné pas mal de followers, hein, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Donc ça, c'était pas mal du tout et ça permet même de, de voir sur du plus long terme. Hein. On a gagné quand même 2664 euh, nouveaux followers et on avait 1498 specs en moyenne. Alors avec 1498 specs en moyenne, on peut euh, faire pas mal de choses intéressantes si on parle uniquement d'argent, euh, dont des op. Donc là, euh, sur les 778 euros, j'ai fait une op euh, qui m'a duré. Euh, euh, si je dis pas de bêtises, je vais vous dire ça. De toute façon, vous avez, vous avez les détails exacts dans le tableau des offres. Euh... Non. Ah putain, ils me l'ont. Attends, alliez pas. Annuler. Ah ouais, bah écoutez, elle est, elle, est, elle est pas passée la dernière OP que j'ai faite. Je pense que je l'ai mal faite. Bah, C'est un peu comme la. T'en as qui. Voilà, j'en ai deux, regardez. J'en ai trois qui ont sauté, ouais, j'en ai trois qui ont sauté. Euh, ça, c'est toutes les OP que j'ai. Ah non, ça, c'est celles qui ont été annulées, du coup. Ok, ça, c'est celles qui ont été annulées. Ok, ça, c'est les OP que j'ai eu euh, Non, j'avais pas vu que j'avais pas été payé. Donc, normalement, j'étais censé gagner un petit peu plus. Donc, sans l'OP, je gagne 776 euros. Normalement, j'aurais gagné 1000 euros. J'avais pas du tout regardé ces revenus-là. Donc, en fait, mon OP, j'avais fait une OP PaySafeCard qui était censée être payée 450 euros pour présenter le site. Alors, j'ai pas trop vu pourquoi la modération a échoué. Euh... Peut-être que je l'ai pas mis. Oh non, raison, aucun enregistrement de la vidéo à la demande de l'offre. Que c'est mais ça, c'est parce que c'est en sub-only euh, dans mon studio vidéo. En gros, c'est parce que non, faut tout le temps pour preuve euh, laisser les rediffusions. Et euh, je crois que c'est parce que je suis en sub-only ou je sais pas. Bon, je me renseignerai, c'est pas très un... c'est pas très important, mais euh, généralement sur une op comme celle-là, je prends 400, 500, 600 euros. Alors là, c'était présenter un site pendant 5 minutes, je prenais 400 euros. Mais si on regarde les autres op que j'ai pu faire, par exemple le... le 6 décembre, je prends 766 euros pour stream euh, une heure de. Euh le Dragon Air l'appareil silence lance God 768 euros produit 1 heure 737 euros pour une heure là regardez une pub de l'exorciste 232 euros on case pour une heure 800 810 euros 400 euros donc c'est basé bien évidemment sur ton nombre de viewers euh, et là je savais pas c'est pour ça que les revenus sont un peu plus faibles euh, que prévu hein. j'avais pas pas spécialement tilté euh, normalement c'est vrai que j'étais plus dans les 1000, 1000 1200 euros avec l'OP donc on va on, on va partir bon je vais pas, je vais, je vais pas partir du principe et euh, en plus je suis je vais mettre Twitch que, que l'OP est passé en vrai mais avec l'OP, j'aurais touché les 1100, 1200 euros en plus. Donc là, je suis à 778 sur Twitch. Bon, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas live énormément. Voilà, j'ai live en avril. En vrai, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lives. Euh, sur un rush serveur les gars, je suis censé en faire le, bah, je suis censé live 30 jours normalement ou allez au moins 25 jours, on va dire parce qu'il y a quand même quelques jours que je live pas. Euh, donc ouais, c'est un peu, euh, oh, c'est pas c'est pas insane mais ce qui est pas mal, c'est que j'ai pris beaucoup de nouveaux followers. Regardez sur les premiers les premiers jours, euh, spectateurs en moyenne 2000, euh, spectateurs uniques, ça veut dire qu'il y a 100 000 personnes quand même. Hein. Dofus c'est quelque chose de niche, mais euh, c'est niche, mais grand public quand même, tu vois, il y a du monde qui passe, hein. 1376 personnes qui parlent en un live. Bon là, on est sur les premiers jours, donc bien évidemment, c'est je live plus longtemps, il y a plus de hype, machin et tout. Après, ça se stabilise, tu vois. Mais ça se stabilise quand même sur des bons chiffres. Hein. On regarde le 9, euh, ben voilà, je, je gagne du 100 follow par live. Euh, 600 personnes qui parlent euh, sur le chat, 1700 spectateurs en moyenne. Euh, voilà. Donc les OP payent très bien quand. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez facilement être payé du 700-800 euros de l'heure. Euh, et les OP, vous pouvez ou moins les spammer, euh, voilà. Après, ça dépend de votre communauté, etc. C'est pas le but de, de, de spammer, d'OP et, et d'en faire euh, des centaines, des centaines et des centaines. Mais euh, en tant que créateur, quelqu'un qui débute, qui a un peu moins de viewers, etc. Il peut s'en faire deux, trois par mois. Ça se trouve très facilement. Vous avez le tableau des offres donc sur Twitch, mais vous avez également, euh, vous avez également les OP euh, bah, par des qui vous passez par des agences en fait directement, les agences d'influenceurs. Euh, qui, qui vous trouvent des OP et qui prennent un pourcentage en contrepartie donc euh, vous pouvez travailler avec euh, une agence en, en exclusivité ou travailler avec plein d'agences pareil, les boîtes mail les streamers sont quand même spamés euh, d'OP, testez tel jeu vous prenez temps, etc bref, euh, dans tous les cas bah là, les, statistiques, euh, les statistiques de la chaîne Twitch sur ces, euh, sur ces 30 derniers jours, on les voici donc on est sur du 778$. Donc là si on combine Twitch et YouTube on est à peu, à peu près à 1500 balles, ce qui, est, ce qui est vraiment pas dégueu pour le temps de stream, on va pas se mentir. Les gars euros sans spécialement avoir vraiment abusé très rare le truc avec le ban machin et tout, est, bah, on est sur, euh, sur, euh, bah, ouais, sur un SMIC pour, pour jouer à Dofus donc c'est pas dégueu du tout. Euh, voilà, sachant que j'ai pas spamé, je peux euh, plus abuser des op. Je peux voilà, bah là l'op a pas été payé, sinon on aurait 400 euros en plus aussi. Euh, et derrière, il y a les revenus kick également qui sont très faibles pour le moment parce que c'est que le début pour moi. Mais étant donné que j'ai signé mon nouveau contrat euh, bah, hier, euh, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour moi à partir de maintenant. En tout cas, encore une fois, sur la sphère dofus euh, et en Kama hein. je vous dis que à côté de ça, j'ai pas mal de petits business qui me rapportent beaucoup plus, on va dire, de manière générale, que, que ce que me rapporte l'influence sur Twitch, enfin sur Dofus, on va dire. Mais, mais voilà. Kik, du coup, kick, kick, Kik, sur euh, les 30 derniers jours, m'ont rapporté, pour le peu de live que j'ai fait dessus, 113 dollars. Donc voilà, les gens se sub beaucoup, beaucoup moins sur Kick, ce qui est normal. Euh, la plateforme est moins connue, je fais moins de viewers. Donc, euh, euh, on peut voir que j'ai eu 16 abonnements offerts, 5 abonnés. Alors, il faut savoir que euh, contrairement euh, à Twitch, je prends euh, 50% sur les abonnements. Sur Kik, on prend 95% euh, sur les abonnements. Donc, euh, quand les gens se sub, en fait, bah, on va prendre le 95% de la somme et 5% pour la plateforme. Et la nouveauté, surtout, euh, qui, y a, et qui est très intéressante sur Kik, c'est euh, le CIP. Donc, c'est le partenariat, euh, le CASIP, euh, le partenariat ultime que chaque streamer de Kik aimerait avoir et que j'ai réussi à négocier grâce à la communauté d'Offus, donc je vous remercie aussi, c'est grâce à tous les gens qui sont les me follow sur Kik etc, qui fait que je vais avoir tout simplement un paiement à l'heure maintenant pour stream sur Kik, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, donc voilà, le, le contrat est effectif aujourd'hui, donc euh, j'ai eu la réponse hier, mais on va dire que c'est à partir du, du mon live, de mon live du jour, bah je vais, je, vais, je vais avoir un taux horaire, ça veut dire que même les gens s'ils se sub pas, même les gens, si, les gens si, 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 si ils ne font pas de dons, etc j'avoue que j'ai pas compté les dons dans, dans, dans dans ici mais il y a, y, a, y a 100 euros de dons plus 100 euros de dons environ c'est pas exact mais vous avez compris euh, les dons c'est beaucoup moins méta qu'avant ça marchait beaucoup sur les débuts de twitch mais maintenant les gens font beaucoup plus de sub-gif que les dons mais euh, généralement, on prend plus sur les dons, mais je, les subgifts, on va dire que ce qui est pas mal, c'est que ça récompense, entre guillemets, d'autres utilisateurs aussi. Donc euh, quand vous allez euh, offrir des subs, bah, le mec aura un badge, des émotes, etc. Donc c'est sûr qu'on prend beaucoup moins d'argent que sur les dons, mais euh, bah, au moins euh, le viewer euh, qui a eu euh, le subgift bah, se, se verra récompensé. Donc kick, à partir d'aujourd'hui, je vais être payé à l'heure. Donc c'est pour ça que maintenant, euh, je ferai bah, les live Twitch et les live kick comme je fais toujours. Hein. Mais euh, je ne pourrais plus faire euh, du multistream, ça veut dire kick et Twitch à la fois. Donc, des fois, je ferai uniquement des lives sur kick. Euh, en tout cas, pour je peux le faire, mais euh, mon live ne sera pas monétisé quand je, quand je ferai du multistream. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire un live, je serai payé par exemple 10 euros de l'heure euh, à jouer à Dofus. C'est un très très bon supplément de salaire. Hein. Pour être honnête les gars, bah, tu, peux, tu peux taper quand même. Bah, si t'es un tryharder sur un rush server et tout frérot, tu lives 15 heures par jour, euh, bah, tu, tapes, euh, tu tapes ton 5K par mois, hein, tu as compris. Et euh, c'est vraiment très intéressant, il n'y a pas de limite. Euh, ça veut dire que si je veux live, comme je vous dis, 15 heures par jour, je peux live 15 heures par jour. C'est au niveau du charbonnage, de la motivation, et je trouve que Kik récompense beaucoup, euh, beaucoup les streamers sur ça. Bien évidemment, le, con le contrat est dur à avoir, c'est pas évident d'avoir le casip, mais une fois que tu l'as, même si la plateforme est beaucoup moins vivante et qu'il faut emmener les gens d'autres plateformes pour qu'ils viennent te regarder sur cette plateforme, c'est beaucoup plus difficile de gagner des followers sur cette plateforme. Euh, au niveau de l'argent, je trouve ça incroyable d'être payé à l'heure en fait, sans que les gens aient à mettre le moindre centime de leur poche, tu vois c'est euh, je trouve que c'est quelque chose de, de grave stylé je suis super content je vais pouvoir expérimenter ça ce premier mois et j'ai hâte de voir ce que ça donne sur un serveur parce qu'on aura quand même des revenus assez sympas mais je vous dirai à la fin du mois combien ça m'a rapporté le le cacip, hein, voilà comme je dit, à partir du moment qui pour le moment qui ne m'a pas rapporté beaucoup mais grâce à tous les nouveaux follows etc que j'ai eu euh, sur Kik, je peux commencer à me générer euh, je vais pouvoir commencer à me générer pas mal d'argent avec Kik. donc on, on rajoute 113 euros euh, Grâce à qui Du coup, voilà. Euh, là, si on fait euh, une estimation, alors que j'ai fail l'OP, machin et tout, donc on est à 872 plus euh, 888 plus 113. On est quand même sur un 1873 euros par mois. Euh, si on donne les 20% à l'État, ça fait pour, ça peut faire à peu près quoi 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ouais, à peu près 300 balles, je dirais. Ouais, c'est ça. Ouais, un truc comme ça. Euh, donc, euh, ouais, on, on est sur, euh, sur du 1500 balles, alors que le mois, c'est pas spécialement bien passé. En vrai, de vrai, c'est quand même très clean. Ça, ça permet de bah voilà d'avoir, un comme je vous l'ai dit, un très très bon supplément de salaire. Ça me met bah ça me met bien en fait. Ça paye un petit peu tout ce qui est. En fait, c'est comme si que mes, mes autres salaires à côté, euh, bah, bah le, ce que je gagne avec Dofus, etc., ça me paye en fait toutes mes charges euh, et que l'autre salaire à côté, c'est juste euh, du bénéfice pour m'amuser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire En fait, 1800 balles, enfin, 1500, 1600, ça suffit amplement pour, euh, pour payer une partie de mes charges. Euh, donc, euh, c'est donc quand même fine. Euh, voilà, voilà. Bref, euh, voilà. Je, je sais pas si la vidéo vous a un petit peu intéressé. J'avais envie de rentrer un petit peu dans ces détails-là, sans faire le mec. Voilà, je vous dis, il n'y a pas une somme de fou. On n'est pas là pour flex. Euh, J'aime bien en fait être honnête avec vous et vous dire combien je gagne grâce à vous. Donc, merci à tous. Euh, honnêtement, merci à tous. C'est grâce à bah, grâce à tout euh, à toute la commune que j'arrive à quand même euh, à générer de l'argent euh, avec Twitch, YouTube, etc. Euh, comme je vous le dis, bah, à partir de maintenant, je vais beaucoup live sur Kick. Donc, n'hésitez pas à la chaîne Kick, les gars. Hein. Euh, voilà, vous pouvez me retrouver ici, les mecs hop, je serai souvent en live ici, je vais continuer le live Twitch aussi, euh, bon, je sais pas trop si je vais continuer d'Office Touch et tout, là je vais faire un peu d'Office Touch dans les jours qui suivent, mais voilà, je sais pas trop euh, dans le détail, on verra un petit peu euh, ce qui se trame, on va dire, voilà, voilà. Bref les gars, un petit like, un petit commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que ça peut vous motiver, est-ce que vous trouvez ça intéressant, est-ce que vous en avez rien à foutre, dites-moi sincèrement aussi dans les commentaires euh, vos retours par rapport à ça, je vous remercie, passez à tous une excellente journée, ciao ciao.